La mort de l'ancien chef historique de Cosa Nostra, la mafia sicilienne, Bernardo Provenzano, s'est éteint à l'âge de 83 ans dans un hôpital de Milan. Il souffrait d'un cancer depuis plusieurs années. Il avait été arrêté il y a 10 ans et condamné plusieurs fois à la prison à vie, notamment pour son rôle dans les assassinats de deux juges anti-mafia. Pendant 30 ans, il participa aux décisions importantes de la pieuvre, le surnom de Cosa Nostra.